Bonne nouvelle pour quelques 120 000 élèves de 6e. Ces derniers bénéficient de la phase d'extension du projet Bonamas, un système de location prêt de manuels scolaires. Les élèves s'inscrivent en ligne moyennant le versement d'un forfait de 10 000 francs, ce qui leur permet de bénéficier de 8 manuels pour l'année scolaire en cours, c'est-à-dire 2024-2025. Ce système est resté pendant longtemps réservé aux élèves du préscolaire et du primaire. Plus d'un million 34 000 manuels ont donc été distribués. Pour cette année scolaire, c'est plus de 12 milliards de francs CFA décaissés par le gouvernement avec le soutien de ses partenaires dont l'AFD pour les kits scolaires du préscolaire et du primaire ainsi que les manuels scolaires. Mettre certains parents en garde, notamment les gourous, les yakubas, les koyakas, les lobbies, se connaissent. Ce sont des prêts, on a dit, ce sont des prêts. Quand ça s'en va, ça revient. Le collaborateur a expliqué ici le processus. C'est en ligne. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, nous sommes dans la transparence. Donc tout ce qu'on fait là, de toute façon, il y a vidéosurveillance pour les examens, il y a vidéosurveillance pour les bourses, pour les manuels. Quand ça s'en va, ça revient. Il faut le ramener et en bon état. La cérémonie de lancement de la distribution des manuels scolaires Bonamas représente une avancée majeure dans la politique d'accès équitable à l'éducation en Côte d'Ivoire. Ce programme témoigne de la volonté du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de créer un environnement éducatif inclusif tout en réduisant les disparités et en ouvrant la voie à une éducation de qualité pour tous.